Alors moi, le Dark Mode, il se met que quand je passe en... en théâtre. Donc voilà. Bonjour. Ça va bien. Tac tac. Ah. Très bien. Premier live de la journée, parce que j'ai pas pu live ce matin. Oui, oui, je sais, je suis blanc, la caméra, tout ça. Ok, ok, voilà, comme tous les jours. Hop. Ah, comment allez-vous? Ah, du coup, je vais pas vous le cacher, hein. Je vais pas vous dire genre, comme aujourd'hui, j'ai pas live ce matin et cet après-midi, j'ai travaillé. Non. J'ai joué toute la journée. Fait du bien. Alors, truc étrange. Alors, ce soir, on teste un truc. Normalement, la cagnotte est automatisée. Normalement, je n'ai rien à toucher. J'ai un outil. Ça, on l'a vu. Ah, la nouvelle version de Twitch, ouais, c'est chiant. Hein. J'ai la bêta de Franker Fazy, mais... voilà, donc on devrait finir Observer ce soir. Je pense même qu'on soit pas forcément très très loin de la fin. Ok, alors ça marche bien. Voilà, bon bah merci Ziu qui a pété la cagnotte. Merci. Merci Ziu. Merci. Le premier, hein. Ok, alors. Oui, vous inquiétez pas, j'avais des sauvegardes et tout. C'est-à-dire que en fait. Attends, c'est pire que ça, c'est-à-dire que t'as fait cracher l'outil, quoi. Bon, je verrai avec... je sais pas s'il est là. Celzar, non, je crois pas qu'il soit là. Voilà. Bravo, hein. Moi, je dis bravo, Ziu. Hop, faut rajouter deux. Oui, c'est moi qui rajoute à la main, là, je reviens comme avant. C'est-à-dire qu'on arrivera à un moment où même si les gens ne donnent pas 100, ça arrivera à ajouter et tout. Twitch est en PLS. Mais non, Twitch est pas en PLS. C'est juste que c'est la nouvelle version et il faut que tous les add-ons qu'on utilise se mettent à jour. Hein. C'est comme toute nouvelle version qui sort. Hein. Donc... Après Observer, on attaque Deadly Premonition. D'ailleurs, attendez, il faut que je corrige un truc. Puisque ce sera pas Deadly Premonition Director's Cut. Ce sera Deadly Premonition tout court. Parce que j'ai réussi à récupérer que la version Xbox, la version PC, a décidé de ne plus se lancer du tout. Voilà. Abigail. Sinon, dans les aveux du jour, j'ai joué un peu à For Honor et j'ai réussi à m'amuser. Ouais, ouais, non, mais c'est bizarre parce que je l'ai lancé, j'avais trouvé un fixe, j'ai pu y jouer un quart d'heure sans souci. Le jeu il tournait nickel, PC, support de la manette, les touches. Et alors là, maintenant je clique dessus, mais c'est direct à cesser de fonctionner, crash. Point scénario. Bah voilà, tu l'as là. La version PS3 et la Director's Cut. Ouais, mais elle a des gros problèmes de framerate. Les ajouts sont pas si fous que ça. Euh...
donc on fera la version Xbox. C'est pas très, très grave. Bonsoir Clara, comment vas-tu? J'en profite, Kelgors n'est pas encore là. Et non, je n'ai pas commencé mes 4528 heures de Battlefront 2, je ne l'achèterai pas. Battlefront 2, je ne l'achèterai pas. There. Now's your chance. Hurry. Donc on est dans la mémoire du tueur, rappelez-vous, et on suit un petit... Et on suit un petit cerf blanc. Trouve-toi un frère raté, j'ai deux sœurs. Ah mais ça fait quelques jours hein, que je suis pas content après hier que ce soit... Battlefront ou Need for Speed, enfin c'est... C'est incroyable, hein. Ah, il est beau, hein. Franchement, les artbooks Manabook, là, qu'ils ont sortis sur FF, Bloodborne et Overwatch, ils sont stylés, hein. Le petit wink. Ouais, putain, la vache, t'as du délai, hein. Et salut, Onizuka. Coucou Mila. Coucou Dou. Excellent. Ah mais il y a des dents. Alors moi j'ai une idée sur le scénario, on verra si ça se concrétise à la fin. Putain. Salut Tom. Ça allait bien toute la journée, 10 minutes avant live je me suis remis à tousser mais comme un dingue. J'étais tapis dans l'ombre comme Berne. Non, je suis désolé, je peux pas faire de live avec des vannes comme ça. Parce que il y a quand même un standing, moi je me casse. Salut. Bonjour, je suis animateur professionnel. Recrutez-moi. Voilà, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Ah, merci Doragon pour le gros. Bah. Bah, pourquoi c'est pas la grosse alerte? Ah, ça marche comme ça. Oh, va falloir que je repasse sur tout. Oh. Merci Doragon pour ton très gros sub. En tout cas, des gros bisous. Un streamer exceptionnel, un sub exceptionnel, un viewer exceptionnel, et c'est toi. Merci en tout cas beaucoup. Et je rajoute 25 à la qualité. J'ai travaillé sur l'animé Berserk. Ouais. Ah, c'est triste, hein, l'animé Berserk. Jamais...
Après, je pense que le manga est trop détaillé pour pouvoir faire une animation fidèle de Berserk. Alors du coup, qu'est-ce que vous me faites à manger ce soir? You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. God damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Ah, croque-raclette, ouais. Ah, bah non, 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 Tom. Non, non, t'en fais pas. Du pain et de l'eau, c'est pas mal, hein. Croque-raclette, ouais, je veux bien, Sora. Tu peux passer quand tu veux. Bonsoir, Mist. Tâche tout, c'est presque pu. Et la One X, bah écoute, elle est installée. Alors, vous allez rire. On va parler encore d'un développeur. Il s'appelle Electronic Arts. Sur le compte JVTV de la Xbox One, j'ai découvert qu'il y avait Need for Speed Payback. Et en fait, la clé qui a été envoyée pour installer sur le compte de la Xbox One X, ce sont des clés, ce qu'on appelle des clés review. Eh bien, figurez-vous que EA, alors visiblement c'est les seuls à faire ça, parce qu'ils en ont aussi discuté à midi, c'est marrant, dans Lunch Play. EA est le seul à faire ça, ils envoient des clés de review qui expirent. Le jeu expire dans 5 jours de la console. Voilà, tu peux plus y jouer. C'est une version de review, donc si le testeur derrière il veut jouer au jeu, bah il l'achète. Mais voilà, les versions qu'ils te donnent, elles ont un temps donné. C'est beau, hein? Hey. Tu veux un truc positif? J'ai fini Styx, Masters of Shadow, et c'était très bien. Non, mais ils sont. Non, mais où ils vont, y est, quoi? Où ils vont? Trouve pas ça spécialement surprenant ou choquant. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. J'ai l'impression de me voir moi en tant que streamer devant vous, en tant que public. On trouve pas ça totalement déconnant? Non, mais ça. Enfin, si tu veux, ils ont toujours envoyé des jeux et les magazines, en fait, se font une bibliothèque de jeux. Comme ça, de temps en temps, ils peuvent refaire des émissions dessus, retester plus tard quand un DLC sort. Tu te rends compte que là, si le DLC, ils sortent un DLC et qu'ils veulent le tester, j'y vais comme, bah ils peuvent pas, parce qu'ils ont plus le jeu. It's okay, Victor. Please calm down. Putain, je suis out of bounds.
C'est Breath of the Wild. Non, je pense pas que c'est un softlock, hein. Je pense que c'est le jeu là qui on en arrive à un point où on sait même pas si le jeu a bug ou si c'est voulu par le jeu. Ça part tellement en vrille. Quoique, vu que là je continue de tomber, je me demande un peu quand même. Ouais, je suis un peu en dessous de la map. Ouais. Non, je crois que j'ai cassé le jeu. Je sais pas. J'ai cassé le jeu ou c'est voulu? Je suis perdu. Ouais, parce que ça dure un peu longtemps en fait. Ouais, je crois que ça a vraiment ce flock. Salut Stenzer. Bah ouais, c'est bizarre parce que depuis le début, le jeu, il nous fait pas ce genre de phase. Il reste toujours très... enfin, j'allais dire réel, non, mais... Parce que là, on avait conscience d'être dans un jeu. Regardez, c'est dégueulasse, il y a des dents. Risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. C'est des jolis dessins. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Oh, tu sors les gros films, là, Snap. Voyez? Brave Victor! Concrètement, merci Yarkov pour ton gros sub à toi aussi. Des gros bisous. C'est un plaisir de voir ton contenu, d'échanger avec toi. Ah, presque un plaisir de communier avec ce chat d'emmerdeur le plus propre du Twitch game français. C'est vrai. Merci, merci beaucoup Yarkov. Et du coup, plus 10. Merci à toi. Là, vous voyez ce qui s'est passé cette scène? C'est moi qui raconte une blague. Vous êtes mort de rire, tout ça. Foule en liesse. Des rires, des pleurs. Et tout d'un coup... Très sérieusement, je regarde la cam et je fais non mais je suis pas raciste, mais... Et là... Que doit-on manger pour m'ennuyer ce soir? Une tartiflette.
Victor. Please, calm down. Ou alors des salsifis ou des choux de Bruxelles. avec du cœur. Un petit cœur, petite tranche de cœur avec, avec des salsifis. Ah bah voilà, quand je suis téléporté au bon endroit, tout de suite ça va mieux. Talk to him, Victor. I know there is still... Merci Mayaxel pour tes 11 mois de sub. Des petits pains et des bisous. Ah ouais, j'ai vraiment été téléporté au-dessus de la map. Ah non, la cervelle, j'arrive pas par contre. Je préfère manger un flambi, tu vois. Not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Ça, vous allez pouvoir voir les détails des emotes. C'est marrant, avec l'indicateur, moi j'ai l'habitude de regarder. Once upon a time, there lived in a certain village. A little country girl. The prettiest. Très bien, c'est bon les flambis. Congratulations. We're past the first phase of the treatment and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. €20, mais c'est pas une portion pour une personne, ça, Carépan. Oh, vous êtes prêts pour samedi? Ça va être grand samedi. Puis le temps que je vous le promets. Ah bah voilà, c'est là que j'étais. Ah. So you see. While it is technically inoperable, oh, j'ai totalement fait bugger le jeu. This procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It shook you. Je suis désolé, ça fait pas peur. Moi, je trouve que c'est très bien mis en scène, et ça me fait pas peur. Je sais pas, peut-être que ça marche sur des gens, hein, mais... je trouvais Layers of Fear beaucoup plus dérangeant. T'es pas sûr d'être prêt? Non, il y a des histoires qui me font un peu plus rentrer dedans. Mais là, en fait, ouais, je pense que c'est surtout le fait qu'on comprend rien. On comprend rien. On comprend, ouais, là, qu'on est dans l'esprit d'un tueur. Et que les souvenirs se mélangent un peu, visiblement. Mais...
Peut-être en VR, ouais, ça doit être impressionnant en VR. Faut que je fasse un récap des gens qui seront là. J'ai pas proposé à Rona, mais je sais qu'elle habite loin. J'espère qu'elle le prendra pas mal. Non, bah maintenant que j'ai fait le jeu, à chier. T'embête pas. Pas regarder la télé trop près. Oh, le putain de mur invisible. Le petit cerf, il est là. J'ai bafoué son métier hier. Oh. Le conseil du jour. Je l'ai déjà dit ou tu veux que je donne un conseil du jour ? Se baie à 25. Ou alors quand vous marchez, vous voulez un vrai conseil du jour, quand vous marchez, pensez bien à mettre pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, bien en alternance, parce que si vous mettez deux fois le pied droit devant, vous vous cassez la gueule. C'est simple, pour reconnaître la droite, c'est là où t'as le pouce à gauche. J'ai l'impression que vous avez masse de délai. You don't. He finds you. He always gets his prey. De rien, Hydra. He's always out there, watching, waiting. C'est moi ça. I'm right on your tail. Coucou Electron. Vous inquiétez pas, vous êtes vous n'allez pas bien à cause de la nouvelle version de Twitch, mais vous en faites pas, dans 2-3 jours vous serez habitué, les add-ons seront à jour. Voilà, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de n'importe quoi en fait. Aïe. Encore. Ouais, c'est des pigeons. Pied droit, main gauche, c'est toi qui vois. Mais c'est là où j'étais. C'est là où j'étais quand je poursuivais le tueur.
Ok, j'approche de la fin des souvenirs. Whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Ah, c'était pas la fin, alors. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Alors, vous trouvez sa tanière. Ça en fait. Tu t'attends tellement à tous les jumpscares du jeu. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. Du coup, le point scénario, c'est qu'on comprend rien. Ouais, bah t'es un enquêteur. T'as été envoyé à un endroit. Il s'avère que visiblement, ce serait ton fils que tu as perdu de vue depuis des années. Alors déjà, généralement, on n'envoie pas un enquêteur enquêter, voilà, sur une affaire personnelle. En fait, t'as trouvé plein de morts et à chaque fois, tu rentres dans l'esprit. Tu peux rentrer dans l'esprit des gens parce que t'es un observeur. Et ça donne lieu à des scènes plutôt stylées. Hein. Et ça se passe en 2084. Où tout le monde a des augmentations. Tu vois, regarde, je peux voir dans la nuit tout ça. Mais tout le monde a des écrans CRT. Never that simple. Ok, donc ça disjoncte direct, d'accord. Et ils adorent ce système de prise. The fuse is busted. I need to find a spare. Ah, il me faut un fuse. J'ai pris un fuse 35 ampères.
C'est du gros, hein. 35 ampères, ça déconne pas, hein. Oh putain, c'est timé. Ah, c'est un générateur du futur. Comment vous trouvez le délai? En fait, je fais top. Et toi, tu comptes sur ton... Je compte sur mes doigts et tout le monde dit top sur le chat. Et c'est comme ça qu'on compte le délai. Non, tu peux le voir, tu comptes sur la petite roue dentée en bas. Tu vas dans options vidéo. Ou statistiques vidéo, quelque chose comme ça. Tu utilises quoi? Ouais, vous avez tous beaucoup de délais, ouais. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Du coup, comme maintenant j'ai une Xbox One X, il y a des jeux que je voulais m'acheter depuis longtemps. C'était Gears of War Ultimate Edition et Gears 4. Donc je me suis dit que sur voilà, ils allaient bien tourner sur Xbox et je les ai trouvés à 10 balles chacun. Ça va. C'était un bon achat. Gears 4, ouais, aussi sur PC, mais là, comme ça, je l'étais tous sur Xbox, et puis voilà. Go faire du mode horde. Ah non, moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. D'ailleurs, est-ce qu'on aura un 5 vu Gears 4 qui était, il était pas fou, hein, Gears 4. Oh, il était pas fou. Non, Césarion, je te le redis encore une fois, ce que je te l'ai expliqué la dernière fois. Je ne peux pas supprimer les pré-rolls. Ce qu'on appelle les pré-rolls, c'est si tu charges mon chat. Alors normalement, t'en as une, je crois que c'est une par une ou deux heures en tout. Mais t'auras une pub obligatoire que Twitch met. Ça, j'y peux rien. Elle est obligatoire, elle est là. En fait, moi, ce que j'ai supprimé, c'est les pauses pendant mes streams avec des pubs. Par contre, si t'es sub ou Twitch Prime, t'auras plus de pub chez moi. Et Twitch Prime, t'auras plus de pub nulle part. C'est ça, Electron. Donc si maintenant un invité mystère ou un admirateur secret veut bien m'envoyer la télé 4K qui va avec... Non, c'est pas. Je disais pas ça comme une plainte, je te réexpliquais du coup. J'ai déjà la voix qui s'en va. On va déjà prendre une pastille pour la gorge. C'est bien. Fallait que je tombe malade maintenant. Salut, Tolmir. What a place. Hard to believe anyone could live here. Eh ben, c'est beau. Incurvé, non. Non, mais pas une trop grande, parce que c'est pour mettre sur mon bureau.
Donc une 100, 108, voilà, pas plus grand. Avec une latence basse, s'il vous plaît. C'est fait avec de la peau d'agneau. Non, je quémande pas, je dis juste si ça peut donner des idées aux gens. Ordinateur, ça va, j'ai ce qu'il faut, sneak peek. Of course I am. That's the coward Victor talking again. Enough talk. Ugly human words hurt my throat. I can barely get them out anymore. It's time to act. Piraos. Personne pourra. Salut Pablo. Non mais du coup, en fait, je peux pas mettre trop grand sur mon bureau parce que au départ, j'avais mis la télé de ma chambre sur le bureau comme télé de stream. Et alors du coup, j'avais à peu près, allez, peut-être 1m10 de recul et la télé est une 55 pouces. Donc c'est-à-dire que quand je l'allumais pour jouer, déjà, je bronzais. Et en plus, quand j'étais comme ça pour jouer, j'étais obligé de tourner la tête pour voir tout l'écran. Donc je me suis dit non. Donc c'est pour ça que j'ai investi il y a quoi? Il y a un an? Un peu plus d'un an. J'ai une 100 et quelques centimètres. Voilà, c'est beaucoup plus petit et c'est mieux. Tête de mon fils. Dad? Dad, are you there? What kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place right here. It's called Sanctuary. Adam? Adam, just try to call me back. God damn it. Voilà pour une nouvelle télé. Il m'a dit te connecte pas, donc je vais me connecter. Attends le Black Friday. Hein. Steve, la mienne c'est une LG. Alors oui, il y a un poil de délai. Après, je suis pas un joueur compétitif, donc j'arrive à faire avec. Par contre, en termes de qualité d'image, elle est très belle. Directeur de la recherche. Donc je ressemble à ça.
Putain, je suis vieux, hein. Salut monsieur Bleu. Salut Cormago. Bon, j'ai bien aimé l'idée du concept de marathon qu'on a eu hier. Pas que, mais qu'on a eu hier. Et dès que j'ai un créneau, j'essaye de rassembler énormément de gens. Que ce soit des amis, des streamers, des gens que j'aime bien. Et je vais essayer d'organiser ça. Ce sera le projet de l'année prochaine. Je kifferais avoir des écrans comme ça qui flottent un peu, que tu peux placer où tu veux. Ce sera un marathon des jeux de la vie. Donc chacun viendra et fera découvrir son jeu de la vie aux gens. Tout débloqué dans Battlefront 2. Ah. Je peux, ça marche pas, je peux pas hacker. C'est-à-dire qu'il faut 4800 heures ou 2100$ pour tout débloquer dans Battlefront 2. Bonsoir, oui. Il joue à Tetris sur ma gueule. Ça va, on est bien. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah d'accord, c'est à l'ancienne.
façon, si je veux une télé 4K, il va falloir que je prenne... une carte de capture 4K. Et la seule qui est, c'est Elgato, et elle coûte 400 balles. Et je vais pas aller voir Elgato en disant hey, ça va, je suis un streamer de l'œil, mais je fais de la 4K, tu m'en donnes une? Ça va, moi je vais bien quand je ressors de ça. Si jamais il s'y trouve, je dois le retrouver. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Ouais, je peux pas y retourner en fait. En fait, t'es obligé de perdre. En fait, j'étais dans la tête de lui, là, qui est mon fils, en fait. Mais en fait, il a des défenses pour ne pas qu'on lise ses mémoires. Voilà. C'était ça, à peu près. Je pense hein, que c'était ça. C'était pas la chambre de mon fils, c'était le repère du tueur en fait. Alors quand je commence à avoir des visions alors que je suis pas dans les pensées de quelqu'un, c'est que ça va mal. The one.
me suis pris une châtaigne, je crois. Ou alors c'était un lapin. Un lapin m'a mis une châtaigne, c'est possible. C'est un lapin électrique. Oh, ça doit exister dans World of Warcraft, un lapin électrique. Alors tiens, question, parce que alors... Ah, ce chiffre n'est pas assez rond. C'est vrai, Doragon, merci. Merci beaucoup, Doral. C'est vrai. Les lapins adultes, c'est ouais, c'est un peu plus élevé. Est-ce que parmi tous les gros streamers que vous suivez, est-ce qu'ils sont tous sur Battlefront? Ah bah, Sanctuary. Bah voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup chercher. Il doit y avoir une symbolique avec les pigeons qui sont horriblement mal modélisés. Les pigeons, hein. Non, personne. Ah. C'est bien. Ça veut dire que... peut-être qu'ils ont pas envie de l'acheter et que ça commence à râler. J'aimerais bien. Coucou Frost. Alors ça, étrangement, moi c'est un bruit qui m'apaise et qui m'endort, l'orage. Alors déjà, c'est des pigeons à tête blanche. En plus, c'est des nécro-pigeons. Donc on est à Paris. Oui, on fait 60 euros pour 5 heures de campagne. Où 90% de la campagne réutilise des assets du multijoueur. Cette cagnotte est trop ronde. Bah oui, mais du coup, merci Sora. Mais du coup, tu c'est toujours un chiffre rond. Ah non, père, rond. Oh, je sais plus. Oh, les chiffres, c'est nul. Merci, Sora. Yep, c'est le psycho. Ouais, c'est exactement ce que je disais hier. Il pense... Je comprends qu'ils doivent faire de l'argent, c'est un éditeur. Mais quand c'est trop visible et que c'est aux dépens du fun des gens. Ça veut dire que tu dors beaucoup devant mes streams, Clara. C'est complètement un setup de streamer de 2084. Hein.
Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. What do you need my name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation. T'es random. C'est assez étrange. Sanctuary Salon, established 2074. The salon offers top-quality virtual reality experiences, expertly crafted to meet our customers' needs. Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world. Par contre, si tu comptes le faire, random, casse-toi, parce que je pense qu'on approche de la fin. Donc si tu vas te faire juste spoil la fin, voilà. Je te conseille de te barrer et de suivre Twitter. J'annoncerai quand je démarre Deadly Premonition. Coucou Freya. Daniel Lazowski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Cette texture de cuir. Tu vois, c'est comme là. Pourquoi je rentre dedans? Ouais, mais ça fait un pop-out, c'est nul. Alors, je pense qu'on va encore partir dans un trip. En mode théâtre. It's complicated. What you found wasn't me, not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. As a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. Hoping for that smog to clear just enough that we could see the mountains. It never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? Et je suis désolé pour vous hein, qui voulez vous endormir sur ma gueule d'arrêter de stream à minuit tous les jours. C'est juste qu'après moi à minuit, j'ai tendance à piquer du nez. Moi je suis du matin, pas du soir. I know you were working for Tyron. How are they involved in all this? In all the wrong ways. I have to admit, you were right about the corporation. At the end of the day, all that matters to them is the bottom line. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body.
beyond limitations, beyond sickness and death. Beyond being human, just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand, but you will, soon. Minuit, c'est très bien. Bah, tu veux que je te fasse peur, Clara? Regarde. Je me suis levé à 7h15 ce matin. Helena saved the research and smuggled it out of Cairo. Yeah. So we got her killed. Yes. And Amir, too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the yep, surgery? C'est Adam, Florian. What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. Ouais, je veux bien une médaille, ouais. Moi, je me lève sans réveil. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus, a hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? We can't. Tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which gives us only one option. A manual override. That's where you come in. Laisse tourner toute la nuit avec des pubs. Bah écoute, Sergent Kimchi, si je t'engage pour cliquer sous le bouton toutes les 5 minutes. Bah Duck, c'est dur d'être hypé sachant qu'on a... Enfin, on a rien vu quoi, on a pas de gameplay, rien. On sait pas ce que ça va être. Ça se trouve, ça va être un point and click. Hein. Where does the signal come from? Elle arrive quand même, médaille. Pinpoint the exact location, but... narrowed it down. Seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Oh, mais là, Doc, imagine. Sucker Punch, ils sortent un nouveau trailer de Ghost of Tsushima. Et ils t'annoncent en collaboration avec David Cage. Alors, suis la lumière. Oh, je suis pas sorti. Je peux pas mettre mes visions. Ça veut dire que je suis toujours dans l'appareil, je suis pas sorti. Je suis la lumière, je veux bien, mais...
Et le jeu sur 3DS là, Sushi Striker, il est sorti ? Parce qu'il avait l'air bien, hein. T'allumes Diablo. Oh, du dernier jeu Bubsy, oh, Sapin a dû le faire. Hein. Je pense que c'est un running gag pour lui, Bubsy. Mais j'ai plus de vision. Tu dors pas assez, Foya. Vu comment t'es jeune, tu dors pas assez. Les conseils de tonton petit avion. Bon, je te crois pas. Les artistes, on sait que c'est les branleurs. Someone out there, help me, please. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father has gone insane, delirious. Est-ce qu'elle fait vraiment du dessin, Florian? Do something to our boy. You can't let that happen. Parce qu'on n'a jamais rien vu, hein. I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? Je suis désolé, j'ai parlé pendant un texte. Non, Clara, vu ton âge, ça va. Je vais me prendre une insulte. C'est bien, ils font sécher leur linge. Oh, je taquine tout le monde. Je peux pas être insomniaque, hein. Je m'assois sur un canapé, je mets la télé, je m'endors. Et genre... très rapidement.
Sir, some of the patients are still symptom-free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Ah oui, en voiture, mon super pouvoir, c'est... Je m'assois, je m'endors. Ah, mais en fait, c'est un autre passage. Passe bien. Bonsoir Uther. Une figurine de Velvet. Je suis pas spécialement fan. J'aime bien aimer le perso, mais pas trop sa tenue en fait. Je la trouvais. Et pas parce que on voit un bout de fesse et un bout de sein. Alors, fais voir un peu. Non, je sais, je suis intrigué. Plus parce que je la trouvais juste ridicule sa tenue. Ah quand même, 121 balles. Hein.
Ouais, alors... Voilà, je trouve qu'elle fait très plastique pour 120 balles. Bon, après, moi, je suis un mec qui voulait commander sur Tsume et m'acheter la figurine Berserk sur... sur Prime One. Une redidée. Ah oui, non, non, faut courir, ouais, ouais, faut courir. Dans un cul-de-sac. Ah merde, c'était juste un bonus. Tentacules et câbles réseau. Nouvelle grosse tendance au Japon. Ouais, alors si je suis tout, pas toujours dans la machine, la AVR, j'y crois pas. Hein. Pas spécialement, tu sais, on l'a démarré hier à quoi, 20h? Un peu moins... Oh. Oh. Ça fait effectivement ce bruit-là quand on marche sur les intestins. Ouais, j'ai pris mon temps, tu vois, je pourrais courir comme ça tout le temps, mais j'ai marché, tu vois, pour l'ambiance. C'est moi qui l'ai fait l'échec de caméra. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that
that drastically decreases your chances of recovery. I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. Mais c'est quoi le délire avec les pigeons? You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. After you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. Je suis pro en secouage de souris. Did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Jesus, there's barely anything left of him. Bière blonde. Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't... Oh. Whoa! Easy there. Listen, it's either this or spend the rest of your life in a fucking jar. Hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. I didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. We made it. I finally understand.
Ok. Memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. The host? I guess that's supposed to be me. Yes. The observer's mind is isolated, detached from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh. It's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Merci, Owen. Faut pas dire mais bravo à moi, faut dire but bravo aux gens. We can control of your senses. We can help each other. On a commencé le jeu hier, on est plutôt sur la fin. Je pense même très proche de la fin. There must be another way. There isn't. It's up to you. Save us both. Leave me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. After iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Non, non, définitivement, je... définitivement, ça va un peu trop loin. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose.
You figured out how dangerous you are. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself. And it terrified him. Je vais essayer de vous résumer le truc. Adam, qui travaille pour Chiron Corporated, voilà, a créé une technologie qui consiste à digitaliser, on va dire entre guillemets, l'âme des gens, les souvenirs, tout ça. Donc quand il a fait ça, ça a créé un deuxième lui-même à qui on est en train de parler là tout de suite. Adam le vrai, on va appeler Adam le vrai, donc c'est celui qui est dans la vie réelle, et Adam, Adam du net, ce sera lui. Donc le vrai Adam, au fur et à mesure, a vu que l'Adam du net allait un peu trop loin, devenait un peu trop fort sur le réseau, et a libéré le virus, le nécrophage, c'est ça, qui du coup fait très peur à tout le monde, parce que, je sais pas, ça a l'air de tuer des gens. Et donc, du coup, la dame du net a fait en sorte, alors ça, j'ai pas trop compris, de prendre contrôle de l'espèce de loup-garou pour l'envoyer tuer le vrai Adam et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Et moi, du coup, voilà, c'est sur ça que j'enquêtais. Ça va? Vous avez compris à peu près la même chose que moi? Vous êtes aussi largué que moi? The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs and the paranoia took over. After that, he went full on feral. The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer. En fait, il l'a envoyé tuer son vrai corps parce que lui pensait être la version supérieure. Voilà, je crois que c'est ça. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming you. He never came to understand, but I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nurture, Dad. Your choices, your mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kylon. He would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you would. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. Non, si j'étais un vrai pigeon, j'aurais acheté Battlefront 2. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Ça me fait chier au fond parce que j'avais envie d'y jouer à ce jeu. J'y croyais. Quand j'avais fait la bêta, j'avais trouvé ça cool. Mais je mettrais pas 60 balles dedans. Tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice. You let your son die? Or will you save me? Ah, on a un choix. Moi, je le rejette, hein. Il a tué des gens, ben, il a tué mon fils. Parce que c'est juste une copie, en fait. C'est une copie de l'esprit de mon fils, mais c'est pas mon fils. Ça rappelle un autre grand débat qu'on avait eu sur un autre jeu, dont je ne dirai rien, mais que j'ai beaucoup aimé. Oui, mais ton fils était une raclure pleine de haine. Ouais, mais c'était mon fils. Lui, c'est qu'une IA au fond. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for what you did. Bonsoir, demoiselle Loutre.
That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. Caution. Low synchronization. Administer synchrazine. Coucou Dio. I regret it must end this way. Je vais vous envoyer un petit message demain pour I need to force you out. Pour suddenly I have found a better place for you. Sorry, Dad. D'accord, donc il a pris ma place dans vos corps. J'ai déjà la folie, c'est très bien. 1 sur 3, c'est pas mal. Sorry, Janice. No other way. D'accord, donc je suis dans le corps de Janus maintenant. Mon dieu, il se déplace encore plus lentement. Lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Here you are. The situation is under control. Yeah.
Voilà. Baisser un peu le son. Ah, c'est super fort. Fin de l'Observer. Qu'en pensez? Ça va, je l'ai pas subi, Varys Matra, parce que ça va. Le jeu est pas mauvais. Hein. Le jeu est pas mauvais, mais en fait, je trouve que en fait, les scènes, quand t'es dans l'esprit des gens, elles sont stylées, mais elles ont aucune cohérence. Et les phases d'enquête sont un peu lourdes. Et très honnêtement, j'ai préféré Layers of Fear. Bah, l'histoire, le souci avec l'histoire, c'est un peu l'effet RE7. C'est-à-dire que tu passes 90% de ton jeu à rien comprendre, et puis à la fin, il te balance tout d'un coup. D'accord, il n'y a pas de scène post-crédit. D'accord, bon. Ok. Ouais. Mais c'était... Ouais, c'était... Ça allait. Là, il y a des scènes et des plans qui sont super bien faits, mais... Par contre, il a le même défaut que Layers of Fear, c'est ce que je disais hier, c'est que à partir du moment où tu comprends que t'es sur un rail et que en fait hormis un monstre là qui est assez con en plus y a aucune menace dans l'environnement, il se passe des trucs mais rien ne te menace, du coup bah t'es en mode tout droit quoi. Salut Eldrocos. Donc voilà, c'était Observer, le dernier jeu de la Blober Team. Oui, t'es arrivé à la fin d'Observer, et là on va démarrer, alors attention, Deadly Premonition, c'est quelque chose, vous allez voir un jeu qui techniquement est daté, qui même à sa sortie sur 360 était déjà daté, qui a un gameplay de merde, qui a pour le coup vraiment un vrai gameplay de merde. Salut Arkham. On va se mettre un peu de musique. Mais qui, de tous les gens qui ont réussi à aller au bout, disent que c'est un jeu qui est à faire et dont on se rappelle. On va jouer sur la version Xbox 360. Ah, Life is Beautiful. Alors attendez, j'en profite, hein, je vais... On va se parler un peu, ça va? Bah en fait sur PC, ce qui est très bizarre, c'est que je réussissais à le lancer. Sans souci, j'ai joué un petit quart d'heure. Et depuis ce matin, le jeu se lance plus. Et comment dire, Deadly Premonition, c'est 20h.
voilà, on va prendre celle-là, elle est jolie. Vous avez reconnu la musique derrière ? J'entendais peut-être pas assez. Ouais, allez vous chercher un truc à manger. Et de toute façon, je vais faire une petite pause avant de démarrer le prochain jeu. Voilà. Alors. Et donc le prochain jeu après Deadly Premonition, ce sera Outlast 2. Ah, Outlast 2, ça va, ça devrait charcler. Outlast 2, ça va. Alors, je vais peut-être zapper la chanson, vu qu'elle est chantée. Au cas où ça me coupe la VOD. Alors. Et vous en avez pensé quoi, vous, très honnêtement, de Observer ? Le morceau d'avant, c'était la BO de Let It Die, qui a une très bonne BO. Alors voilà, Deadly Premonition, si vous aimez Lynch, vous allez être servi. C'est beau, mais c'est pas clair. Je pense que c'est ça, ouais. Mal de tête sur 20. Shaky cam. Joli, mais un peu brouillon dans sa réa. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il y avait de très bonnes idées de mise en scène, de tableau. Mais que du coup, t'avais l'impression qu'ils enchaînaient de... Tu sais, qu'ils avaient des idées, qu'ils écrivaient et qu'ils enchaînaient ça. Alors. Sachez que nous allons être le premier stream mondial sur Deadly Premonition, car personne ne joue à ce jeu. Alors, où on en est de ma quête pour le hoodie ? Ah, il va falloir sub un peu plus, les gens. Ah, je suis loin de mon hoodie violet là. Ah là là. Alors attendez, parce que la console démarre pas.